Bonjour, bienvenue à toutes et à tous les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs. Aujourd'hui, nous allons voir non pas la planche Boogie Board, que vous connaissez certainement, planche qui s'accroche à peu près 98% des poussettes existantes sur le marché, mais la petite assise qui se met dessus, qui va pouvoir permettre aux enfants à un an et demi, de pouvoir s'asseoir quand ils ne sont pas encore très très forts et très très stables sur leurs jambes, et qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras pour se tenir à la poussette, et bien du coup ils vont pouvoir s'asseoir sur cette assise. Donc aujourd'hui je vais vous montrer l'assise de cette planche. Alors c'est nouveau, ça se présente comme ça, ok. Donc on a une petite mousse assez souple, mais bon très fine, hein. Donc le confort c'est pas non plus... C'est pas non plus ça, mais bon, c'est pas non plus fait pour ça, hein, d'accord. C'est juste pour dépanner, d'accord. Un petit maintien ici si l'enfant veut s'accrocher avec les mains ici, ok. Et un système d'accroche juste ici. Alors, cette planche se plie, enfin cette assise se plie. Il suffit de tirer ce petit bouton ici, là, comme ça, clac, et descendre. Hop. Pour replier l'assise pour qu'elle tienne un minimum de place. Ok ? Donc moi je vais la rouvrir. Clac, ça se clip automatiquement. Et ici en fait, je vais tirer sur le bouton pour pouvoir appuyer sur le deuxième et donc du coup soulever cette partie-là. Hop, voilà, c'est pas évident mais faut pas se casser les ongles. Cette partie-là, et une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir hop. Tac, monter, vous voyez, cette partie qui va nous permettre, je vous montre en live, de s'adapter dessus comme ceci. Hop, voilà. Dessous, ça donne ça. Vous voyez, ça va venir s'accrocher comme ça, là, juste derrière. Voilà. Une fois que l'assise est mise en place, on va rabattre. Donc on va baisser la partie plastique pour bien la plaquer, comme ça. Et on va rabattre ça. Et pour ce faire, on va tirer sur le bouton, on va rappuyer sur le bouton pour vraiment clipper comme ceci. Voilà. Tac. Et là, du coup, ça tient bien. Bon, ça tient pas. Attends, hop, je refais la manip. Tac. Faut dire qu'en lévitation, c'est pas évident. Voilà. En fait, il faut bien que ce bouton-là soit bien plat, d'accord? Et une fois que c'est là, on tire et là, ça tient bien. Donc voilà, la planche est positionnée, d'accord? Son prix est de 69,99 €, ce qui nous fait 70 €, auquel il faudra rajouter le prix de la planche. Voilà, donc ça fait un prix assez élevé, mais bon, ça peut aider certainement beaucoup de personnes parce que c'est quand même bien pratique. Voilà. Voilà, donc c'était l'essai de la planche, enfin l'assise. L'assise Bébé Maxi Saddle Blue. Voilà, donc Blue parce que c'est bleu, elle doit peut-être exister en plusieurs couleurs. Bon, et qui s'adapte donc sur la Boogie Board Maxi. Voilà. Apparemment, la Boogie Board Maxi n'ayant pas beaucoup évolué dans le temps, si vous avez déjà un vieux modèle, ça vaut le coup d'essayer en magasin pour voir si l'assise peut s'adapter, parce qu'elle le pourrait certainement. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez déjà ce produit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis. Ça aidera tout le monde, comme je dis à chaque fois. N'oubliez pas la page Facebook, Instagram pour les photos, les actus, etc. Et le site Gaffi Club, bien sûr, où, je vous le rappelle, vous pouvez bénéficier d'une remise de bienvenue de 10% lors de votre première commande. Voilà, à plus !